Vous avez une zone basse avec un sentier qui permet de découvrir donc la partie du réservoir à poissons, l'écluse et la héronnière. Après, on peut monter sur la zone dite plus sauvage où nous découvrons des points de vue, deux points de vue qui donnent sur le bassin d'Arcachon et l'île aux oiseaux. Le site est très fragile, donc il faut tout faire pour le protéger, bien rester sur les sentiers et pas hésiter de demander conseil quand vous rencontrez les gardes.